sur les différents réseaux sociaux. Et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 15 du Vlogmas du mois de décembre. Donc je suis ravie de vous retrouver. Pour vous expliquer, là on est vraiment le 15 aujourd'hui. C'est le matin avant que j'aille travailler. Hier je n'ai pas du tout pu filmer. Le matin, le réveil a été légèrement difficile, donc j'ai été un peu à la bourre et j'ai pas réussi à avoir le temps de filmer. Le midi, je mangeais avec ma meilleure amie au restaurant, la mère de ma filleule. Et le soir, bah, comme avec la reprise du boulot, je vous avais dit, suite au Covid, j'étais un peu fatiguée. Hier soir, j'ai vraiment pas eu la foi, ni de tourner, ni de beaucoup tricoter, parce que j'ai dû tricoter 4 ans. Et après, enfin dodo quoi. Un peu du mal à me remettre de ce Covid là. Il était quand même bien chargé hein, par rapport à celui que j'avais eu il y a un an et demi. J'en parlais avec ma famille. Franchement, celui-là, il était quand même bien intense, dirons-nous. Donc voilà, aujourd'hui, je porte à nouveau mon pull Ingrid Sweater de petite knit. C'est vraiment un de mes pulls préférés à porter. Déjà pour le coloris qui est absolument magnifique. Et puis pour le modèle hein, de manière générale, j'avais fait des modifs au niveau des manches, elles sont un peu moins larges que celles recommandées, j'avais fait plus de diminution et donc je l'avais tricoté en Arweta de chez Phil Colana, coloris rouge de Chine et le mohair de chez The Woolly Skin, les liens du sang. Et d'ailleurs ce coloris je pense que je vais lui précommander un jour. Et donc voilà, donc c'est un petit col double. Je l'avais tricoté en aiguille 4,5 et voilà. J'ai mis mon petit rouge à lèvres assorti. Enfin, je dis rouge à lèvres, mais c'est pas des rouges à lèvres, c'est des encres à lèvres d'une marque qui s'appelle Martine Cosmetics, qui est une marque d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, alors qui est très vulgaire. Si jamais vous allez jeter un coup d'œil, soyez pas choqués, elle est très très vulgaire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui. Qui est très intéressante, qui s'est lancée dans plein de projets, qui a eu 15 vies et qui depuis pas mal d'années maintenant s'est vraiment penchée sur tout ce qui est cosmétique et skincare. Et du coup elle fait que des produits qui vont être vegan, qui vont utiliser un maximum de produits naturels, qui vont éviter tous les produits de la liste Linky, donc c'est la liste des composants de produits de beauté qu'on peut parfois trouver qui sont potentiellement néfastes pour la santé. Donc c'est des produits plutôt clean, donc j'aime trop sa marque. J'ai mon mascara qui vient de chez elle, toutes mes encres de lèvres ça vient de chez elle, mon eyeliner même si je le mets pas souvent, et après tout ce qui est nettoyant visage et crème de nuit ça vient de chez elle aussi, voilà, pour la petite aparté. Mais donc du coup on se retrouve, on va faire un petit point sur ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Je vais tourner qu'une séquence ce matin du coup pour pouvoir vous la mettre en ligne tout de suite. Et je recommencerai du coup le vlog ce midi pour demain. Je pense que je vais faire ça comme ça. À mon avis c'est la meilleure solution. Donc du coup j'ai avancé un petit peu sur mes chaussettes exothermiques. Donc les chaussettes exothermiques, c'est un patron de Lissandre Ourdin, un patron de chaussettes qui se tricote en doublant de la laine fingering et du mohair. Donc en l'occurrence, moi je la tricote, pardon j'ai mes fils qui sont emmêlés, là c'est beaucoup mieux. Je tricote avec de la... Et tout à l'heure j'ai dit des bêtises, de la Tilla de chez Phil Colana, tout à l'heure c'était de la Arweta de chez Phil Colana. Et puis avec mes mini, enfin 3 des mini du calendrier de l'Avent de Woolly Skin que j'ai reçu cette année. Donc il n'y a pas de nom de coloris, je ne peux pas vous indiquer de nom de coloris, mais voilà les 3 que je compte utiliser en fade. Hop. Le premier, le deuxième que je suis actuellement en train de tricoter et le troisième. Et donc j'utilise ce mohair un peu plus doux qui se marie avec les 3 et qui va permettre de fondre un petit peu l'ensemble. Et donc où est-ce que j'en suis? J'en suis toujours à mes augmentations du gousset. J'ai tricoté un petit peu mais pas des masses. Donc je suis encore en train de faire mes augmentations du gousset. Donc hop. Ici donc c'est l'avant de la chaussette où vous voyez tout le petit motif qu'elle appelle un motif flamme. Donc c'est une dentelle qui est très très simple composée de jetés
deux mailles ensemble et glisser, glisser, tricoter. Donc c'est très facile. C'est des chaussettes qui sont commencées par la pointe en faisant un Turkish cast on. C'est que la deuxième fois que je fais des chaussettes qui se commençaient par la pointe. Et ça va, je l'ai pas trop. Enfin, il est pas trop mal mon Turkish cast on. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pour que ça se fasse un peu fondu entre les deux coloris, ça se voit plus de ce côté-là. En fait, j'ai fait des rayures pendant un certain nombre de rangs. Et après, je suis passée à la deuxième couleur. Donc c'est marrant parce que d'un côté de la chaussette à l'autre, ça se ressemble pas du tout. Donc je pense que mes deux chaussettes vont être très différentes. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Et puis du coup, ça va être très doux et très chaud grâce au mohair. Ça sera des chaussettes d'intérieur, hein, bien sûr. Je ne les mettrai pas dans des chaussures. Et donc voilà, là j'ai tricoté, je pense, à peu près la moitié des augmentations du bousset, je dirais. Grosso modo. J'espère juste que le pied, je l'ai tricoté assez longtemps. J'ai un petit doute quand même. Je ne sais pas s'il ne va pas me manquer un demi centimètre. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais donc là, l'objectif aujourd'hui, j'aimerais bien quand même finir les augmentations du gousset au moins pour pouvoir passer ensuite au reste du talon. Ça serait cool. Après, bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas précisé, mais je les tricote en aiguille 2,75. Comme c'est de la fingering plus du mohair. Donc ça va forcément plus vite que des chaussettes classiques en 2,25. Donc voilà pour le premier encours que je vais tricoter aujourd'hui. Deuxième encours que je vais tricoter aujourd'hui, c'est mes chaussettes Craspedia. Que j'avance. Donc mes chaussettes Craspedia, c'est des chaussettes du livre. Hop. Vu que je l'ai apporté demain. Autant le sortir. 52 Weeks of Socks. C'est un modèle d'André Amory. Donc une designeuse américaine incroyablement connue. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter. Et donc c'est un peu mon tricot boulé parce que ça fait pas mal de mois que je les ai commencés. Je les ai commencés en mars l'année dernière. Donc voilà, c'est des chaussettes qui sont composées d'un motif, enfin de deux motifs. Ici, c'est des mini torsades sur deux mailles. Et ici, on a des torsades, enfin système de torsades, système de bobble. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de petites manipulations. Et donc, j'ai terminé le talon à 100%. Et là, maintenant, je suis en train de tricoter la tige. Donc, la tige, il faudra quand même que je la fasse un peu longue, entre guillemets. Je pense qu'à mon avis, il suffit que je fasse encore une répétition complète de la dentelle, plus éventuellement une demi, enfin de la dentelle du motif, pardon, plus éventuellement une demi, et ensuite je pourrais passer aux côtes. Donc en vrai, je suis pas très loin de l'avoir terminé, parce que, je vais voir si je peux vous montrer ça vite fait. Oui, enfin je peux, c'est sûr que je peux. Au pire, je prendrai la caméra. Hop là. Ouais, non, il faudra un peu plus que... Ouais, il me faudra quand même un peu plus qu'une répétition de la dentelle. Enfin, ouais, il m'en faudra peut-être deux. Et donc, voilà où ça en est là pour l'instant. Mais on est sûr quand même du grand progrès, hein, parce que je vous rappelle que c'est des chaussettes que je n'arrivais pas à reprendre à la base. Hein. Donc là, je suis quand même très très contente. Et donc, pour rappel, je les tricote dans des laines de chez Crème Queue, la Edelweiss Alpaca. Donc, c'est des laines, enfin, c'est une laine à chaussettes qui est un peu poilue vu qu'il y a d'alpaca dedans. Et c'est un coloris olive que j'avais acheté chez Lily comme tout. Donc, voilà pour en cours numéro 2. Et ça, l'idée que je me suis dit pour être sûre qu'elles avancent, c'est que je vais tricoter. Il faut que je tricote au moins une demi-répétition de la dentelle par jour, minimum. Voilà, même si j'ai pas envie de les tricoter, je me force à tricoter au moins une demi-répétition de la dentelle par jour. Et comme ça, je suis sûre qu'elles seront finies dans les jours qui arrivent. Donc voilà pour l'encours numéro 2. Et encours numéro 3 que j'ai tricoté un petit peu, mais ça avance pas vite. Hein. C'est mon pull Beldon. Donc le pull Beldon qui est un patron de Anna, Langue avec Anna, que je tricote. Hop. En Gilliatt de Dererum Natura Colerie Aubépine, je sais pas comment on dit. Donc c'est un modèle qui se tricote entièrement en brioche, qui est pas difficile parce que c'est juste un système de raglan.
J'avais tricoté une grande partie d'une manche et j'avais mis les mailles en attente pour faire un blocage intermédiaire. Et quand j'ai terminé mon blocage intermédiaire qui servait à vérifier si ça s'étirait ou pas, ça ne s'étirait pas, j'ai repris les mailles du bas du corps et là j'ai tricoté pas des masses, hein. Pas des masses, je pense. Ouais, j'ai tricoté peut-être 3 cm quoi, depuis que j'ai repris. Donc ça avance doucement. Faudrait que je l'essaye. Ah ben je vais peut-être essayer de l'essayer tout de suite. Je vais essayer tout de suite. Alors, hop, je l'ai enfilé vite fait. Bon, il n'y a pas le col encore, donc là ça sera un petit peu resserré au niveau du col. Au niveau de la manche, les anses, c'est nickel. C'est parfait. Parce qu'en plus, ça s'étire un petit peu pour le coup la brioche en largeur, donc c'est nickel. Et au niveau de la longueur du corps, après j'ai les côtes. Bah, en vrai, je suis pas si loin que ça. Hein, parce que là, mon nombril, il est juste ici. Le but, c'est qu'il soit un peu cropped. Donc je pense que je vais tricoter encore ça en brioche. Et après, je vais enchaîner les côtes. Ah, mais je suis contente parce que le coloris, je trouve qu'il me va très bien aussi. Donc ça, c'est cool. Parfait. Et le fit, ça a l'air nickel. Bon, et bah super. Comme ça, au moins, je suis fixée. Je l'enlève tout de suite et je vous retrouve juste après. Ah, et des fois que, petite technique pour essayer vos tricots en cours de route. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un connecteur de câble et je mets deux câbles. Enfin, je raccorde un deuxième câble au premier. Et comme ça, ça me permet de pouvoir l'essayer en 2 secondes sans avoir besoin de faire 15 000 manipulations, mettre les mailles en attente. J'ai juste à enlever une aiguille sur les deux, raccorder mon deuxième câble, je peux les enfiler, je perds pas de mailles. Et puis voilà, ça me permet de l'essayer. Bon, et bah écoutez, objectif de la journée, finir la partie brioche pour le prochain vlog. Je pense que c'est faisable, parce que faut peut-être faire 10 rangs quoi, de brioche. Donc c'est faisable, et comme ça me permettra ensuite de pouvoir finir la première manche, faire le col. D'abord, finir la première manche et faire la deuxième. Donc voilà, sinon j'ai pas retricoté encore mon Magnolia Bloom pour l'instant. Je veux vraiment me concentrer. C'est typiquement moi ça. Je monte un projet parce que je suis incapable de ne pas le monter parce que j'ai trop envie de le monter. Je le tricote un certain temps et après je le mets en attente parce que je culpabilise de ne pas tricoter les autres que j'ai en cours. Donc du coup... Je n'ai pas retouché à mon Magnolia Bloom parce que j'aimerais bien quand même terminer mon pull Meldon dans un premier temps. Voilà. Donc tant que je n'ai pas au moins terminé le corps, le col et la première manche, je ne retoucherai pas au Magnolia Bloom. Hop, ça va ici. Et donc dernière chose que je voulais faire avec vous pour ce matin, c'est qu'on va ouvrir du coup les 2 petits colis du 15, de la date du jour, même si je n'ai pas encore ouvert mon calendrier de l'Avent du 14 d'hier. Mais du coup je l'ouvrirai, enfin j'inverserai, en fait je l'ai amené au boulot hier. Donc hier je savais que ça allait être compliqué pour moi de tourner, donc je m'étais dit que j'essaierais de tourner 5 minutes au boulot en arrivant un peu en avance ou à ma pause du midi, ou enfin voilà, d'essayer de trouver un moment, et j'ai pas pu le faire. Mais donc du coup ma petite boîte de Woolly Skin du 14, je l'avais amenée au boulot hier et j'ai oublié de la ramener hier soir. Donc là tout de suite je vais ouvrir mes 2 15 pour la date du jour, et ce midi donc dans le vlog de demain j'ouvrirai le 14 que j'ai pas encore ouvert. Et je suis très contente parce que cet après-midi normalement je réceptionne 2 colis, donc je vais pouvoir vous en dire plus dans le prochain vlog sur le petit cadeau que j'ai prévu de faire à l'une d'entre vous. Alors on va commencer pour changer par le mini de The Woolly Skin. Ouh, tu vois des paillettes. Ouh, très très beau. Ouh là là, très très beau celui-ci. Incroyable. Ah ouais, il est magnifique. C'est un turquoise avec des speckles vert très foncé, vert foré un peu. Et plein de nuances. Il est très très beau. Oh là là. Mais lui, est-ce que je peux pas le mettre en fade avec... Ah, je vais regarder si je peux pas le mélanger avec un autre du calendrier. Oh, superbe. Superbe, Angélique. Je sais qu'elle passe par là de temps en temps. Alors, Ah ouais, il est vraiment beau. Avec les paillettes dorées, en plus la stellina dorée, c'est trop beau. Ah,
je suis vraiment contente hein, de ce calendrier. Je reprendrai, hein. C'est la première année que je prends un calendrier de l'Avent, je reprendrai l'année prochaine. Et donc, je vais ouvrir le petit paquet de Juliette. Elle a écrit pour les chaleurs Marseille, de Marseille. Qu'est-ce que ça va être ? Ah ! Bah. Ah ! Je crois avoir compris. Et oui, j'ai compris. C'est un kit. Ah, incroyable ! Je ne savais même pas que ça existait en kit. C'est un kit pour faire un... Non, j'ai mangé le mot. Un éventail. Hop. Donc, il y a la base de l'éventail. La colle. Et le tissu. Ah, super sympa. Je ne savais même pas que ça existait en kit. Du coup, il faudra que je regarde comment... Ah, et donc, ok, j'ai compris. Et il y a un espèce de... Comment on appelle ça? De patron. Ouais, je pense qu'on dit patron. Il y a un patron sur le kit pour pouvoir le positionner comme il faut. Et pouvoir faire ça comme il faut. Ah oui, d'accord. Il faut faire moitié par moitié. Bon, faut que... Enfin, je prendrai le temps de lire ça tranquillement. Mais trop bien, trop bonne idée. Trop, trop bonne idée. Mais c'est trop bien parce que j'ai plein de choses à faire en mode DIY, DIY, en do it yourself. Donc ça sera pour mes lundis. Bon, bah ça, du coup, je le ferai avant l'été. Hein. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord faire les deux premiers kits qu'elle m'a offert en broderie et en macramé. Et ben voilà. Donc voilà pour les petites ouvertures de calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce vlog. On se retrouve demain pour un nouvel épisode où je pourrais vous parler un peu plus... Ah si, il y a une chose dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a Audrey de Yarnflakes qui a publié hier un patron gratuit de châle avec de la dentelle. Donc moi, je l'ai téléchargé parce que bah, c'est toujours pratique. C'est un petit châle facile à faire qui utilise peu de laine. Donc pour faire un cadeau, éventuellement, ça peut être une bonne idée. Donc je l'ai téléchargé. Et du coup, ça m'a redonné envie de tricoter un peu des châles. Donc je pense qu'à mon avis, là, quand j'aurai terminé un ou deux projets, je relancerai un petit châle quand même. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tricoté. Voilà. Ce coup-là, c'est bon. On se retrouve demain. Passez une très très bonne journée, bonne soirée. Et puis, je vous fais plein de bisous. Bye.